Je m'appelle Babacar, j'ai 36 ans et je viens du Luxembourg. À l'âge de 15 ans, je suis devenu mannequin. Mes collègues de travail sont Stéphanie, donc qui est Lady Gaga. Naomi Campbell, lui, fait partie de mes amis aussi. Mon incroyable talent, c'est le chant. Mes coachs vocaux m'ont toujours dit que j'avais un timbre très spécial. J'atteins des notes qui ne sont pas accessibles à tout le monde. J'ai sorti mon premier single en 2010, qui a été numéro 1 dans 8 pays. J'ai même eu un parfum à mon nom et une marque de champagne aussi avec laquelle j'étais associé. Je suis célèbre au Luxembourg, en Belgique. Je ne suis pas encore célèbre en France et c'est pour ça que je participe à la France à un incroyable talent. Tu as déjà fait des émissions comme ça en ayant des membres de jury qui vont... Oui. En général, j'étais le jury. Où ça? Au Luxembourg, beaucoup de concours. D'accord. Ok, parce c'est toi qui jugeais les autres. Oui. D'accord. Tu jugeais les autres et maintenant tu vas être jugé. Exactement. Ok, et donc ça, ça te pas de stress? Ah, c'est pas mal quand même. Ouais, quand même. On y va? Ouais. Allez, go. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Je m'appelle Babacar. Qu'est-ce que vous allez faire, en fin de compte, sur cette scène? Je vais essayer de chanter. Ça fait combien de temps que vous chantez? Je chante en professionnel depuis 2010. Vous allez chanter une chanson originale ou vous avez fait une reprise? Une reprise, mais qui est très difficile pour les cordes vocales, en fait. Waouh. Bon. Et pour nos oreilles, alors, aussi. Je ne le souhaite pas, mais non, bon. Non, moi non plus. Babacar, la scène est à vous. Merci. If I should say I will only be your way, so I so I go, but I know I'll think of you every step of your way. Attends. Je suis désolé. Oui. Always love you. Ooh, we'll always love you. And I voilà. La chanteuse en face. Ça voit. C'est une blague. Babacar, où es-tu? Voilà. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Ah oui, rajoute non, quelque non, chose. Non. Ma voix n'était pas là. Ah bon? On a une question. Qu'est-ce que la France a fait au Luxembourg? Non. Je suis né français, mais je vis au Luxembourg. Mais dites jamais que vous êtes français. Dites que vous êtes luxembourgeois. En tant que sketch, c'est excellent. Ouais. Voilà, vraiment. C'est énorme. Et en tant que chanson, c'est encore mieux. On s'est rarement autant amusé sur une chanson. Donc merci pour ce joli moment. Merci à vous. Ah, mais, vraiment, merci. Mais c'est vrai qu'il a fait un effort. Il s'est attaqué à un classique et à nos oreilles. Non, c'est pas ça. C'est que déjà, vous avez choisi un morceau qui est trop aigu pour vous. Je ne pense pas que le problème soit le choix du morceau. Vous l'aviez en revanche, en fait, vous la chantiez en dessous en permanence. Oui. Et ça nous est passé au-dessus.
Voilà. Oh, joli. Babacar, c'est très simple, ça arrive. Vous avez raté votre audition. Ah, oui, ça arrive. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec nous. Nous, on a fait un peu les foufous, on a dansé. Donc, merci Babacar. Merci. Le show était là quand même. Bon retour sur Luxembourg. Et on ne t'oubliera jamais. Ça fait longtemps que je n'étais pas montée sur scène. Et d'habitude, c'est moi qui juge les personnes. Moi, je dis toujours que vous chantiez faux, mal ou chantez, parce que c'est une thérapie, le chant avant tout. Oui, c'est mais pas forcément. En public. Voilà. Voilà.